Madame, monsieur, bonsoir, bonsoir, bienvenue au Japon pour cette 17e manche de la saison. On est avec ADO pour un tour en 1:33-158. Alors on va regarder tout de suite le tour à vitesse réelle et après on analyse tout ça. C'est parti! Alors c'est parti, on est dans la dernière chicane, lancement de tour important ici puisque la ligne de départ arrivée se situe très très tôt sur la ligne droite, donc il va y avoir beaucoup de temps entre cette ligne et le premier freinage, donc c'est important d'avoir de la vitesse si on ne veut pas perdre déjà quelques centièmes, voire peut-être même un dixième avec une mauvaise sortie. Donc la chicane, on se contente simplement de bien se placer là, pour attaquer ce gauche, mais c'est pas encore le plus difficile puisque ici l'important c'est vraiment l'accélération. Vous voyez qu'ici, hop, à ce niveau-là, on a une bosse, enfin plutôt ça commence à plonger. Donc on a l'arrière qui va se délester et devenir très léger et vouloir partir. Donc attention ici de ne pas faire une erreur. Il faut faire attention de ne pas glisser et pour se lancer vraiment avec la vitesse optimale. S'il n'y a pas de glisse, après bon, c'est pleine balle. Jusque ce premier freinage, freinage vraiment difficile, hein, tout en appui. On a une première courbe à droite qu'on va passer déjà sur les freins. Donc on essaie, moi pour ma part, je ferme le DRS manuellement, histoire de ne pas avoir une déstabilisation au moment de toucher la pédale de frein, puisque comme on est obligé de braquer tout de suite. Dès qu'on touche la pédale, voire même on est déjà en virage quand on la touche, je me dis que c'est pas très très bon d'avoir le DRS ouvert à ce moment-là, donc je prends même pas le risque, je le ferme à la main et j'attaque ce freinage vraiment difficile. Il faut essayer de pas bloquer la roue, il faut essayer surtout d'ouvrir l'angle pour le deuxième. Donc on est ici complètement à la corde, il faut se laisser emporter vers l'extérieur. Évidemment ça fait très peur parce qu'on est à 250 à l'heure en septième. Et on ne sait pas trop si on va réussir à arrêter la voiture pour la ramener pour le deuxième. Mais c'est primordial, évidemment, sinon vous n'aurez pas d'angle pour attaquer ce deuxième droite qui est assez serré, qu'on va prendre quand même en quatrième. Donc là, pas grand-chose à dire sur la prise de vibreur à l'intérieur. Vous pouvez le prendre, mais de manière, il est assez difficile. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à l'extérieur, il faut éviter ce vibreur, parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'il vous fasse perdre un petit peu de traction. Et si vous voulez pas le perdre, vous allez être obligé de relâcher un petit peu l'accélérateur. Donc c'est dommage. Après, cela dit, le virage suivant étant très proche, c'est pas non plus un drame si vous avez été obligé d'assurer un tout petit peu la sortie. Ça va pas impacter énormément, il y a à peine 150 mètres. Et là, on se lance donc dans cette série de virages absolument fantastique qui fait tout le charme de Suzuka. Je sais pas combien il y en a, je les ai pas comptés, mais 1, 2, 3, 4. 5, il y a 5 virages d'affilée et il faut toujours penser au virage suivant parce que si vous commencez à vous emballer sur un. Que vous sortez un petit peu large, et bien vous êtes condamné pour le virage suivant, et après vous pouvez même perdre la ligne pour les 5. Hein. Donc c'est vraiment primordial de démarrer très très bien en ralentissant la vitesse dès le premier, en se plaçant bien à gauche. Voilà, donc on n'hésite pas vraiment à bien casser sa vitesse pour essayer de se placer au milieu de piste.
Voilà, lancer celui-ci. Donc là, on peut. J'ai mis deux roues dans l'air. Bon, on peut aussi l'éviter. C'est un peu plus joli. J'avoue que c'est pas extraordinaire là. Mais bon, bah, c'est légal. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est rester dans la ligne, quoi. Faut pas prendre des risques démesurés ici parce que si vous avez plus à perdre qu'à gagner. Après, évidemment, quand on va chercher le meilleur chrono, il faut essayer de prendre des risques. Il faut essayer d'embarquer quand même beaucoup de vitesse sur les cordes. Mais pour embarquer ces vitesses-là sur les cordes, il faut toujours réfléchir à la sortie du virage. Et c'est ça qui est difficile dans tout cet enchaînement. Donc là, ces trois virages sont assez similaires, hein, quand même très rapides, pas très serrés. Là, ça y est, ça commence à se resserrer avec un virage qu'on va devoir prendre en quatrième. On va vraiment ralentir la voiture. Donc un petit peu, voilà, on peut même pas parler de deux points de corde, c'est que la corde est très difficile à tenir. Et il y a un petit peu deux trajectoires. Parce que le virage suivant est vraiment terrible, le gauche. Donc il va y avoir un petit peu la philosophie de ceux qui voudront optimiser leur vitesse sur ce droite là, et qui vont sortir un petit peu large, et après qui vont être un peu en difficulté sur le gauche, mais qui vont s'en sortir quand même. Je préfère plutôt privilégier la préparation du gauche, c'est-à-dire que ici, j'essaie de ne pas prendre trop de vitesse à la sortie pour pouvoir me replacer complètement à droite et rentrer avec un angle qui est très très bon ici, hein, parce que vraiment, je pense que vous l'avez tous expérimenté, ce virage. Si vous touchez le vibreur à la corde, attention, c'est un petit peu dangereux. Mais si vous touchez l'herbe ou on va dire le bas-côté de l'extérieur à droite, ben alors là c'est catastrophique. La voiture, vous allez la perdre. Et si vous voulez pas la perdre, vous allez de toute façon quasiment stopper votre tour. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Ce virage, il faut le prendre parfaitement. Et c'est pour ça que j'aime bien le préparer avec le plus de soin possible. Donc voilà, là on arrive à sortir correctement. On a beaucoup de vitesse, donc c'est parfait. C'est un bon virage. Et on arrive sur. Un virage extrêmement rapide qui va causer pas mal de tracas, je pense, aux pilotes au niveau du respect de la piste. Parce qu'on est forcément tenté de plonger un peu trop tôt dans ce virage, puisqu'on veut le passer très vite. Et comme on voit pas super bien la corde, hein, forcément, on est en 8e, c'est quand même pas super facile. Donc il va y avoir des petites erreurs. Manque de prise de risque, hein, clairement, sur ce tour, à ce virage. Parce que regardez, donc ça passe, je pense que ça peut passer. Passer même en 7e, ou alors passer la 6e un peu plus tard, mais surtout un peu moins casser la vitesse, parce que là, bon, le virage est très beau, il n'y a rien à dire sur les limites de la piste, mais c'est pas assez exploité. Là, vraiment, regardez sur l'extérieur, on est tranquille. Donc, bon, il y a eu un petit peu de temps de perdu ici. Cela dit, ça a permis de placer correctement la voiture pour le droit de suivant, parce que freiner sur le vibreur, c'est un petit peu compliqué ici. Alors là, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ici, il faut faire quand même très attention, le virage est très serré, on a très peu de temps entre le droit de précédent et celui-ci pour freiner. C'est pour ça que prenez pas un risque fou non plus dans le droit qui est juste avant, parce que vous allez vraiment pouvoir le payer ici. Et là, ça fait mal, hein, parce qu'il y a des graviers qui sont juste à côté. Donc si vous manquez ce freinage, si vous manquez la corde, ça va vraiment pas être très très bon. Donc ici, il faut bien aller à la corde, éviter d'accélérer sur le vibreur parce qu'il va faire pas mal sauter et glisser la voiture. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc le mieux, c'est de ne pas le toucher. Donc là, c'est parfait. Et on arrive sur le virage Kobayashi, hein, évidemment. Cette fameuse épingle où beaucoup de monde se jette à l'intérieur. Donc, épingle difficile, hein, parce que, je sais pas, elle est un petit peu en dévers et la voiture est assez difficile à arrêter à chaque fois. Bon, bah là, c'est plutôt réussi. En seconde, on va bien chercher la corde, il n'y a pas eu de blocage de roue. Et l'accélération est un vrai challenge ici. Donc, j'aime passer les vitesses tôt, hein, troisième et quatrième, et essayer de contrôler cette glisse. Voilà, là, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Donc l'accélération est optimale. Petite erreur ici, hop, ouais, braqué trop tard, ouais, je sais plus pourquoi, je crois que j'avais regardé le delta ou quelque chose comme ça. Et mine de rien, il y a 15 millièmes qui ont été perdus dans cette histoire. Voilà, on voit le delta qui en a pris un petit coup, là ça revient, mais il y a quand même eu une petite perte de temps, ouais. Comme quoi même un endroit qui paraît complètement anodin, c'est l'impression que c'est une ligne droite avec un tout petit virage, et ben voilà. Le braquage était trop tard, la corde est manquée, 50 cm, et tout se paye. Et on arrive donc sur Spoon, à très beau virage, double gauche, où il va falloir surtout pas prendre trop de risques en entrée, parce que l'important c'est de sortir correctement du deuxième, puisqu'il donne sur la plus grande ligne droite du circuit. Donc voilà, le premier gauche, là on essaie vraiment de placer correctement la voiture, donc on va prendre le gauche en cinquième. On peut toucher le vibreur, cela dit c'est pas forcément évident parce que on a souvent tendance à vouloir retarder un petit peu le freinage ici. Et là donc on laisse naturellement repartir la voiture sur l'extérieur. Attention à pas sortir des limites de la piste, j'ai failli me faire avoir sur ce tour.
Évidemment, il faut l'annuler ici si vous sortez un petit peu, parce que non seulement ça veut dire que vous avez gagné du temps sur le gauche parce que vous avez pu le prendre plus vite, mais en plus vous gagnez du temps sur le suivant parce que vous êtes mieux placé en ayant un angle complètement ouvert. Donc clairement ici la sortie large elle est vraiment plus qu'interdite. Et donc ce petit gauche qu'on va prendre en quatrième. Donc là, l'important pour moi, c'est de ne pas toucher le vibreur à l'extérieur. J'ai le sentiment quand même que ça fait glisser pas mal. Et il faut vraiment bien préparer la sortie. Hein. Comme je l'ai dit, la ligne droite derrière, elle est interminable. Donc on essaye de ne pas glisser. Et là aussi, c'est pas facile. C'est un virage qui demande beaucoup de soins sur la traction. Regardez la difficulté qu'il y a eu à l'accélération. Heureusement, elle a été plutôt réussie. Donc ça, pas trop de conséquences, mais vraiment difficile. Donc le delta, vous allez voir qu'il va descendre, mais c'est parce qu'en fait le tour précédent, j'avais eu une aspiration. Donc c'est pas que je suis mal sorti, c'est juste que bah, voilà, quand il n'y a pas d'aspiration, évidemment, c'est pas facile d'aller plus vite. Et on arrive sur, oh, c'est pas le dernier virage puisqu'il en reste un à la fin, l'avant-dernier. Donc cette chicane, difficile quand on est sur un bon tour parce qu'on ne sait plus comment la prendre. On veut l'assurer et si on l'assure, on la rate. Et si on veut retarder le freinage, et ben on va aller des fois bloquer la roue et gâcher complètement le travail de ce tour. Donc, ouais, pas de risque fou ici. On essaie de juste de bien aller prendre la corde du premier droit, parce que voilà, comme on l'a dit sur le lancement du tour, l'important c'est de bien préparer la sortie. Donc, ça passe évidemment par sacrifier un petit peu ce premier droit qu'on va aller chercher. Alors, je sais plus si j'ai pris en troisième ou en seconde. Troisième, voilà. Quand il n'y a pas de sous-virage, quand vous avez la bonne ligne, que vous avez bien freiné, il est vraiment inutile ici de mettre la seconde. C'est quand même une chicane qu'on peut prendre avec pas mal de vitesse. Donc voilà, c'est pas nécessaire. Donc évidemment, on ne coupe pas. Troisième. Et là, donc ici, on s'applique à. Donc on s'est appliqué déjà à sortir en milieu de piste, hein, et pas trop à gauche. Parce que c'est très important d'avoir un angle qui est bien ouvert ici pour essayer de sortir parallèle à la piste. Il ne faut pas arriver avec de l'angle sur le côté extérieur, parce que vous allez vraiment vous retrouver rejeté sur le côté droit de la piste, et du coup vous allez devoir ralentir. Regardez là, on a encore de la place à droite, hein, mais c'est pas la bonne trajectoire honnêtement. Si vous allez un peu plus à droite, vous allez complètement être en difficulté au moment du passage de la bosse qui est 20 mètres derrière là. Donc il faut vraiment vous abstenir d'y aller. Il faut vous forcer à rester un tout petit peu à gauche là ici sur la piste pour bien préparer ce passage de bosse. Voilà. Donc ici un tout petit relâchement de l'accélérateur au moment de passer la bosse, très très important. Et une fois qu'on l'a passé, que le risque de glisse est évité, eh bien, il n'y a plus qu'à foncer vers la ligne. 1:33,558. Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller en 32, 9, 8, peut-être 7, j'en sais rien. Ouais, peut-être pas exagérer 32, 8, mais vraiment là, très très peu de temps. Je crois que c'est mon 20e tour simplement. Donc, voilà, c'est pas le tour optimal. Il est propre, mais je pense qu'il est un peu trop prudent. Il manque de passage dans certains virages, et c'est ce qui fait qu'il manque peut-être les 2 dixièmes, je ne sais pas, à la fin. Mais bon, en tout cas, c'est un très bon tour pour comme base de travail, donc on espère que ça vous aura aidé, et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain numéro des F1 Simulap. À très bientôt!